le sudatorium. Faut pas avoir peur. C'est hein. Ici que les Romains venaient transpirer. Grâce à de la vapeur, oui, c'était... Oh, regarde, ces sculptures. Quoi? Des animaux alchimiques. Contraction, purification, amalgamation et sublimation. Et ce symbole dans le bassin, c'est aussi la putréfaction. Ce symbole me fascinait. Il y en a aussi dans les deux autres bassins. Trois symboles, quatre sculptures. Il y a du feu là-dessous. Alors, on doit pouvoir éclairer les autres. Il doit y avoir un moyen d'y accéder. Le serpent... Il m'a causé quelques cauchemars, celui-là. Serpent... Lion... Oh, lion, mon chien. Le cygne. Imposant et gracieux. Et... Le crapaud, toujours aussi moche. C'est tout un truc pour être affilié avec les histoires. Oh mais moi ça m'a saoulé hein. Tu sais que j'avais galéré à trouver mon numéro pour être de fiscalité. Tu dois avoir un numéro de fiscalité à donner. C'était un gros bordel. L'affiliation c'est un gros bordel. Faut juste prendre le temps de le faire quoi. Ah bah voilà. Mais ouais, non, vraiment, le prochain, je me demande ce qu'il va valoir. Qu'est-ce qui se passe? Ça grouille. Il y en a partout autour de moi et j'y vois rien. Allez, c'est parti. Et comment tu comptes faire ça? La lumière. J'attends près des bassins. Courage. Visiblement, c'était pas par là. Mais t'as réussi à faire tes questionnaires, Akin? Tu sais que ton numéro de fiscalité, tu peux l'avoir sur impots.gouv. C'est pas loin d'un symbole. D'accord, j'avance. Ok, on peut sauter avec les bâtons. Il reste encore un symbole. J'ai envoyé le questionnaire, il est en cours. Traitement, mais j'ai peur qu'il me refuse. Bah, en général, ils vont pas te refuser parce que si t'as fait de la merde, c'est tout à leur avantage. Parce que je me souviens que quand j'avais fait de la merde, moi, niveau surtout impôts, parce que j'avais pas été sur impôts.gouv et j'avais voulu faire à ma manière sans ce truc-là. Parce qu'à l'époque, bah, quand je l'ai fait, j'étais encore chez mes parents et je bossais pas. J'étais encore à l'IUT en fait à ce moment-là. Putain, j'étais encore à l'IUT quand j'ai commencé les streams. Et... Et ouais, du coup... J'avais pas de numéro de fiscalité. Et du coup, bah, j'étais à 70% d'impôts. Enfin, ils me prenaient 30% de revenus. Maintenant, avec mes vrais impôts... Je suis à 100% de ce que je dois gagner. Ah ouais, non, une vraie histoire d'arnaque. Hein. Tu l'avais mis ton numéro à toi, on est d'accord? Tu approches de l'autre symbole. Continue. Je fais aussi vite que je peux. Le symbole est apparu. C'est la sublimation. Tous les bassins sont éclairés. Tu peux revenir. Il faut que j'arrive à sortir d'ici. Tu y es prêt? Merci, Lucas. Continue de me parler. Je sais pas... J'aurais jamais cru que tu survivrais jusqu'à... J'ai mis mon numéro, je suis à 0%. Donc logiquement, c'est good. Ah bah nice. C'est autre chose, hein. Bah c'est super alors. C'est surtout ça que je préfère savoir si t'as bien fait, parce que bah... Pour pas te faire niquer, quoi. C'est quand même un peu bâtard de te niquer sur ça parce que t'es un peu débutant et tu sais pas le faire. Ah putain, c'est pas le bon chemin. Bon, normalement, t'auras la réponse d'ici demain. Hein. Tu pourras mettre tes émotes et tout ça, tes points de chaîne. Ça va être trop bien. Hein. Et encore GG à toi. Gros GG. Tu
Tu as révélé la putréfaction, la purification et la sublimation. Crapauds, cygnes, serpents sont exposés à la lumière. Donc notre ami le lion doit cacher quelque chose. Dans la bouche? Dans sa gueule, peut-être? Aidez-nous. Et bonsoir, Mayu. Vas-y. Comment ça va? Tu as percé son secret, Amicia. Tu l'as mérité. Encore debout si tardivement? Bah ça va bien. Je n'y vois rien ici. Ça a l'air immense. Garde tes munitions. Je m'en occupe. Voilà. On aurait pu le dire plus tôt, mon gamin. Alors, dors jamais. Qu'est-ce qu'on a? Des produits de complément, des stabilisateurs, des réactifs, des matériaux nobles, largement supérieurs à ce qu'on a vu dans la chambre. Ouais, bah c'est un peu ça. Bien, bien. Venir par streamer plutôt à cette heure-là. Hein. Ce sont des notes de ta mère. Tenter une nouvelle transformation, mais l'élixir est incomplet. Le flambeau du porteur se dérobe, laissant mon fils dans les ténèbres de la Macula. Elle était sur la voie, Amicia. Ce que l'on cherchait forcément ici. Mais... Oui, mais deux secondes. Là, il y a quelque chose, on dirait. Une autre fresque. Un enfant dans les bras de sa mère. Mais... Oh. Ces marques sur son torse, Lucas. La Prima Macula. Mais cette fresque a au moins 8 siècles. Pourtant, ça a déjà eu lieu. Oui, mais combien de fois? Qui sait? Sanguinis itinera, les voyages du sang. La Macula voyage à travers l'histoire. Elle a déjà changé le monde et elle le changera de nouveau. Cette boîte porte un phénix, le symbole du grand œuvre alchimique. Amicia, je crois qu'on a trouvé. À toi de l'ouvrir. D'accord. Mais ouais, ça laisse plus de temps en vrai. Lucas, regarde. Cristallisation avancée, couronne vert bleu, substance claire. Quoi? Lucas! Parfum d'ambre incroyable. Mais dis-moi à la fin, qu'est-ce que c'est? L'élixir pour Hugo. Elle y était presque, mais elle n'a pas eu le temps de le fuir. Tu veux dire, le même élixir que tu... Oui, sans le livre. C'est vraiment incroyable qu'elle ait pu aller aussi loin. Mais alors, on peut peut-être s'en servir? Avec le livre et mes préparations, je crois que je peux même le terminer. En tout cas, tu as l'air bien parti, Maître Lucas. Pourquoi elle m'a rien dit? J'aurais compris. J'aurais pu... Aïe! Amicia, j'aurais fait pareil à sa place. C'était une alchimiste. Et puis, une maman, ça protège ses enfants. Tu crois pas? Oh non, pas maintenant. Comment on va sortir d'ici? T'occupe pas de ça. Termine l'élixir. Je vais les retenir. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi maintenant? Lucas, il faut... Ok. Mais ouais, en soi... Ça n'a aucun sens. Ce sont des symboles. Elle cherchait un élément manquant, mais le livre dit tu videras la coupe... Quand tu dors pas, c'est sûr que tu gagnes du temps. M'en occupe. Mais quoi? Allez, tu calmes. Laurentius disait, t'en perds les battements de ton cœur, car c'est lui qui œuvre à travers tes mains. Donc tout ce qui est avec des rideaux. On perd toi. Ok, là-bas. Le rideau, c'est là. Alors. Il y a trop de faux, Lucas. J'y connais rien, moi. Cherche celui qui pue très fort. Tiens, Lucas. Je suis même pas sûre que mon nez fasse la différence. On le met où? Attendez, je me suis peut-être trompé, hein. Peut-être pas pris.
sens rien du tout. Ça, ça sent pas bon. Mais ça sent pas si mauvais non plus. Oh, allez, Amicia. À lui. Avec le petit truc qui bloque. Hop là. Tiens, Lucas. On va réveiller ce phénix. Putain, le bordel. Oh, un peu proche là quand même. Légère altération de la couleur. Bien, mais pas assez. T'avais dit que tu devais retrancher. Alors pourquoi tu rajoutes ces choses dedans? Je rajoute ces pour retrancher. Le bras zéro, Amicia. Tu dois m'ouvrir un passage jusqu'aux alambics. Bien, soit, va pour les alambics. Hop, allez, go, on se dépêche. Ils vont étendre le brasier. Alors ça jamais. Putain, c'est pas de tout repos cette mission. On se prépare au cas où. C'est trop tard pour reculer. Fais attention, c'est tout. Alors, d'abord... Ok, là-bas. Là-bas. Allez. Putain, on va tout bouffer nos ressources de flammes jusqu'à la fin du jeu. D'ailleurs, j'ai oublié de remettre la caméra. À tous les coups, il va avoir besoin de ça. Hein. J'ai réussi, et c'est comme s'il le savait. Allez, ne traînons pas ici. Alors, à toi l'honneur. Non, c'est un genre de totem d'immunité? Mais non. Lucas, tu as réussi. On a réussi. Laurentius serait fier de toi. Je suis fier. En tout cas, c'est une certitude maintenant. Si l'élixir est relié au rat, ça veut dire qu'il y a un lien avec le porteur. Commençons déjà par sauver Hugo. Bah voilà. Bon. J'ai eu peur que l'Inquisition vienne nous le voler, hein, quand même. Notre apprenti alchimiste a fait des merveilles. On a l'élixir. J'ai toujours su que t'étais un bon. Merci. Venez. Allons voir Hugo. J'espère que ça va bien le soigner. Hugo, tu dors pas? Oh. On a réussi, regarde, l'élixir. C'est Lucas qui l'a fait. Tiens, vas-y. C'est peut-être un peu amer. C'est pas grave. Bois tout d'un seul coup. Il a l'air mort, Lucas. Hugo. Et
je vais être guérie maintenant ? Eh ben... En tout cas, tu vas aller beaucoup mieux. Amicia ? Maman, on la verra vraiment plus jamais. Oh, Hugo... Tu sais bien... Elle... Elle reviendra pas. Non. Mais... Elle a pas mal là où elle est. Non, non, bien sûr que non. On va tous dormir maintenant, hein. Et demain, quand tu te réveilleras, ça ira beaucoup mieux, tu verras. Visiblement, le chapitre 13. Pénitence. On va regarder s'il y a une cinématique, sinon on va s'arrêter. Amicia ! Amicia, tu vas pas le croire ! Roderick a battu Arthur à la fronde. Mais n'importe quoi, il était devant la ligne. T'es juste mauvais. Oh, qu'est-ce que vous avez encore ? Bah oui, si vous respectez pas les règles, forcément. Les règles ! Hugo ? C'est toi qui dis ça. J'arrête pas de lui dire. Vous avez vu, Hugo ? Il a repris son collier. Il est parti. Hugo ! Réponds-moi ! Hugo ! Fin de l'histoire. Hop là. Ah. Et nous, c'est là qu'on s'arrête. Hein. Bon, bah j'espère que cette petite session de 1h40 quand même, après, il doit être 1h40 du coup. Hein. Bah, voilà. De Plague Tale vous a plu. On va les couper encore une fois en plusieurs épisodes. Hein. Mais ouais, non, bonne session. On a enfin le remède. Mais mystère sur Hugo et sa petite disparition. Je me demande ce qui va se passer. Alors, est-ce qu'il a disparu parce que il semblait bizarre? Ou peut-être il est au courant pour sa mère et il veut retrouver sa mère. Pour moi, il nous a entendu parler de sa mère, donc c'est quasiment sûr. Bye, Mayu. Des bisous. Bonne nuit à toi. Enfin, si tu dors. Et du coup, ouais, je pense qu'il va partir à la recherche de sa mère. Donc, on verra tout ça la prochaine fois. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais tous des bisous. Une bonne soirée. Ciao, ciao les gens. Thank you.